Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, pour notre entrée en carême, demandons avec insistance au Seigneur de guérir nos cœurs. Et que ce soit cette guérison par l'évangile du Seigneur. C'est ce que nous venons de chanter en lui demandant de laver nos fautes, de se souvenir que nous étions son peuple. Au début de notre marche vers Pâques, vers l'événement de notre vie, la résurrection du Christ. Souvenons-nous que nous sommes enfants de Dieu. Faisons quelques instants de silence. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il que l'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Purifie-moi de mon offense. Seigneur,
Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne, Seigneur. Ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé ». Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues, dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, et il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues, les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent d'une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'heure est arrivée d'entrer dans cette immense route qui nous mène jusqu'à la proclamation de la résurrection du Christ. Mais de quelle route s'agit-il? Il faudrait bien se poser cette question en ce mercredi décembre. Quelle route s'agit-il? Est-ce une route où nous allons nous consacrer à un événement, à une chose, à un spectacle qui va donner lieu à la mise en scène médiatique des événements, qui va donner lieu à un moment où nous allons être au centre des choses? Non pas. C'est tout sauf un spectacle. L'Évangile nous le dit à trois reprises. Ne vous donnez pas en spectacle. Mais que faut-il donc faire? Quelle est donc notre mission en ce temps de carême? Eh bien, frères et sœurs, c'est de mettre le projecteur sur le Seigneur. Si vous allez demander aux gens autour de vous, pour ceux qui savent encore ce qu'est le carême, vous allez entendre des réponses, y compris la vôtre, qui vous dira ben, « Le carême, c'est que je fasse tel ou tel effort, c'est que je résiste à ceci, que je prenne telle ou telle résolution, pour mieux d'ailleurs ne pas les tenir. » C'est que je sois gentil avec le prochain, pour parfois mieux le détester. Bref,
une succession de phrases qui vont commencer par un « je », une volonté déterminée de faire ceci ou de faire cela. Nous sommes, dans nos réponses, par rapport à ce temps du carême, tout à fait centrés sur nous-mêmes. Rien de cela. Le Seigneur nous dit bien autre chose, même le contraire. Le projecteur est à mettre sur le Seigneur. Cette antienne d'ouverture que vous avez sur vos feuilles, que je vais relire, qui est dans le livre de la Sagesse, dit bien tout cela. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe, et tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes. Tu les invites à la pénitence et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Voilà, mes amis, notre carême, c'est de nous apercevoir mieux encore, plus fort encore, que Dieu est présent, que c'est Lui qui nous appelle, c'est Lui qui nous fait marcher, c'est Lui qui nous aime, c'est Lui qui nous pardonne. Et non pas nous qui passons notre temps à dire « Voilà Seigneur, je fais ceci ou je fais cela ». Si nous pouvions prendre ce temps de grâce, frères et sœurs, pendant tout ce carême, ces 40 jours, où nous passions notre temps à redécouvrir la figure du Père, ce que le Père est pour nous, ce qu'il nous donne, comment il nous pardonne, comment par abondance, par surabondance, il nous donne son Fils, encore et toujours. Comment il est là, dans cette Église, mais dans toutes les Églises, mais dans notre cœur et dans tous les cœurs, qu'il exclut personne, qu'il pardonne tous nos péchés et les péchés des autres, qu'il est là, qu'il veut qu'une seule chose, c'est nous restituer dans notre créature formidable, sans tache. Par son salut qu'il nous donne, il nous mène tous à la résurrection et à la vie, à l'espérance et à la sagesse. Évidemment, ça n'a rien de médiatique. Rien. Mais faut-il vouloir ressembler au monde ? Faut-il vouloir ressembler au show médiatique du soir? Il nous faut au contraire prendre le chemin de la sagesse, de l'amour, de la vie qui est basée sur l'essentiel. Nous sommes aimés de Dieu. Il nous demande de revenir car nous nous sommes éloignés. Lui est toujours là. Il nous aime toujours et sans cesse, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Avons-nous conscience de cela, frères et sœurs, en ce début de carême? N'allons pas nous poser 36 000 questions. Que faut-il faire? Quel plan je vais mettre en route pour sauver une fois de plus mon corps, comme on veut sauver la Grèce? Non. Le Seigneur est toujours là. Il n'a pas d'autre plan que celui de nous dire « Reviens, je suis là, comme l'enfant prodigue. Je t'aime et je t'aime toujours plus. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne trouveras rien d'autre si tu veux vivre l'essentiel. » Ô frères et sœurs, si l'on veut vivre sur le superficiel, tous les jours naissent des étoiles superficielles au rythme du clinquant. Mais tous les jours, elles meurent et elles s'évanouissent dans ce monde froid, sans amour et sans pitié. Alors, mes amis, nous avons ici à Notre-Dame Marie qui nous montre le chemin, qui nous montre
à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, comment est-ce qu'on peut faire pour se tenir prêt à écouter la parole du Seigneur? Comment est-ce qu'il est possible de découvrir ce que le Seigneur veut de moi? Comment est-ce que nous pouvons faire dans notre existence pour que le Seigneur ait toujours l'initiative? Et comment il peut se faire que nous répondions au Seigneur qui nous appelle, même si cela parfois peut nous déporter de nos projets, peut nous emmener ailleurs que dans nos soucis habituels, même si cela peut nous paraître surprenant, même si cela peut parfois nous désinstaller. Mais le Seigneur est là, il nous appelle. Sortons de ce système où nous mettons au centre. Ce n'est pas ça, ni l'Église, ni le Seigneur, ni la parole du Seigneur, ni toute l'Écriture, ni les pères de l'Église. Tout cela sont un appel sans cesse renouvelé à ce que nous découvrions que Dieu a toujours eu l'initiative de l'amour et qu'il l'a encore pour son peuple et qu'il veut le meilleur pour ses créatures et que tous ceux qui sont à côté de moi sont aussi ses créatures. Comme le monde serait magnifique, comme le monde serait beau, comme le monde serait changé si nous pouvions habiter ce psaume 50 que nous avons chanté tout à l'heure. Oui, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Alors, chers amis, après avoir entendu toutes ces lectures, après avoir entendu ce que Jésus dit dans cet évangile, essayons de faire que pendant cette marche de notre carême, notre bouche annonce la louange de Dieu et rien d'autre, que nos lèvres chantent les psaumes du Seigneur et rien d'autre. Par les conférences de carême qui vont commencer dès dimanche soir, par tous ces moments importants d'adoration du Saint-Sacrement ou de vénération de la couronne d'épines, par ces temps de méditation avec les heures musicales, par tout ce qui nous est proposé, en particulier le sacrement de la réconciliation et de l'amour du Seigneur, mais aussi par le jeûne, la prière, l'abstinence. Nous pouvons donc demander au Seigneur qu'il nous fasse la grâce de retrouver la joie de fils de Dieu, la joie de créature ressuscitée, la joie de pécheur pardonné, parce que oui, son amour nous saisit, oui, son amour nous appelle, oui, nous avons rendez-vous pour la résurrection, pour la joie de Pâques. Amen et bon carême. Mes frères, demandons maintenant au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières
à nos supplications. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir maintenant les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la joie de Pâques, de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Martin, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle.
Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim et avec tous ceux qui attendent la nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcile avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons dire cette prière du Notre Père, nous allons penser à tous ceux qui, en ce jour, se confient à la miséricorde du Seigneur. Je vous propose de prier plus particulièrement pour un malade qui nous a été confié, qui s'appelle Francis, mais aussi pour la paroisse toute proche de Saint-Jacques du Haut-Pas, ces paroissiens qui viennent de perdre en deux jours leur curé, le Père Goudet, et leur vicaire aujourd'hui, le Père de Wouters. Ensemble, disons cette prière du Notre Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à ta tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est toi, le règne et la puissance, la
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Sommes-nous d'être ce soir une fois de plus et comme la multitude les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je me dis seulement une parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Quelques informations pour ces temps que nous vivons, vous pouvez rester assis. Tout d'abord, demain jeudi, nous sommes invités à l'adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir vers 19h. Vendredi, premier vendredi de carême, et comme chaque vendredi, prononce le chemin de Notre-Dame pour venir vénérer la sainte relique de la sainte couronne d'épines, vendredi après-midi à 15h. Samedi soir, la première de nos heures musicales, à 20h30. Et puis dimanche, eh bien la première des conférences de carême sur le thème de l'éthique et de la solidarité. Ce sera un grand moment, non seulement parce que c'est les conférences de carême, c'est la première, mais c'est le cardinal Scola qui viendra nous la donner, lui qui est archevêque de Milan. C'est sûr que nous avons peut-être à faire le choix de dégager notre agenda pour venir y participer ou pour y participer à l'intermédiaire de la télé ou de la radio. Et puis, chaque dimanche, n'oublions pas, et pourquoi pas la semaine, de participer à l'Eucharistie autour de l'autel du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Comme chaque soir à Notre-Dame, tournons-nous vers Marie. Les signes ne trompent pas. Nous avons tous reçu les cendres, que ce soit les fidèles de cette assemblée, les maîtrisiens, les bénévoles, les clercs et les célébrants, comme ceux qui nous regardent à Catéo ou bien nous écoutent à la radio. Cela veut dire que nous sommes tous pécheurs, mais que nous sommes tous aimés de la même manière. Confions, si vous le voulez bien, cette bonne nouvelle que nous avons reçue de Dieu à Marie pour qu'elle nous guide pendant ce chemin qui nous conduira à la joie de Pâques. Ave Regina Caelorum.